Salut tout le monde, c'est Gambetta. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième tuto de la série, il me semble. Donc pour cet effet là, donc c'est plutôt un effet non pas du graphe mais plutôt du background, donc du fond. Donc un effet assez sympa que j'utilise dans la plupart de mes graphes et qui rend super bien. C'est à peu près en rapport donc du mur de McFlicom, donc ça va changer, c'est tout le temps voir du mur. À force c'est un peu lassant quoi, et c'est un peu basique. Donc là je vais vous faire voir donc l'effet déchiré, donc comme si que le papier, comme si que le graphe sortait du papier. Donc je vais vous faire l'exemple, donc là ici sur un coin. Donc là ce qu'on va prendre, donc c'est que vous faites une forme assez quelconque, donc d'un hop, genre voilà, toujours voilà. Voilà, donc là on voit donc notre base, donc de la déchirure. Donc là on voit que c'est un peu déchiré, mais c'est pas encore, l'effet n'est pas encore accentué. Donc là ce qu'on va rajouter, donc c'est l'effet du papier qui est arraché. Donc ce que j'appelle ça, c'est qu'on va donc faire venir des parties de papier déchirées, donc là, comme ceci. Donc là, regardez, voilà. Donc là, en fait, vous avez à chaque fois donc une sorte d'arrondi qui va permettre donc de faire voir que le papier est déchiré et donc retourné. Donc là, on refait donc quelques formes quelconques, voilà, et toujours en essayant de courbant pour voir que le papier est retourné. Donc là, voilà, toujours comme ça. Donc on peut en faire un peu partout, donc non, surtout ne pas comme d'habitude trop surcharger. Donc on peut en faire une là par exemple. Donc là voilà. Donc pour mieux encore accentuer l'effet du déchiré, hein, n'hésitez pas à allonger les arêtes. Donc là, voilà. Et puis encore une là, la rigueur. Voilà. Donc voilà. Donc là, on voit bien. Donc, on voit que le papier est carrément déchiré. Donc voilà. Et pour encore mieux accentuer donc l'effet, c'est d'ajouter donc quelques ombres. Donc bien sûr il y a l'ombre du papier qui est en dessous, donc on va avoir l'ombre juste ici en fait. Donc voilà, on ajoute un peu d'ombre. Donc admettons que l'ombre arrive de par là, donc on aura toujours de l'ombre sur les côtés hauts à chaque fois. Donc là ici, donc là voilà. Donc voilà, donc on a notre bel effet donc déchiré. Donc là bien sûr j'ai fait juste pour un coin, mais après on peut le faire carrément donc pour un graphe. Donc je vais vous faire voir donc quelques exemples sur mes graphes pour vous fassiez une idée. Donc là ici on a, donc vous voyez, j'ai fait l'effet donc déchiré là, donc comme si le papier était déchiré et qu'il y avait une autre feuille derrière, donc l'effet rend super bien. Donc vous voyez donc les ombrages avec les différentes déchirures, pardon. Donc voilà, ensuite j'ai un autre graphe. Voilà. Donc celui-là. Donc là on voit bien que en fait donc, mon graphe, donc, bien sûr mon style abstract, donc qui ressort. Donc là regardez. Donc on voit qu'il y a un fond noir et avec les effets de déchirure par-dessus, on voit bien que le papier est déchiré et ça rend super comme effet. Donc là toujours avec les petits ombrages pour rendre l'effet bien accentué.
Je trouve ça, cet effet assez sympa, donc voilà. Donc, je voulais vous le faire partager. Donc voilà, donc c'était l'effet tuto donc déchiré. Donc posez-moi des questions si vous n'avez pas compris quelques trucs. J'essaierai d'être impossible dans la mesure du possible. Donc voilà, voilà, je pense avoir tout dit. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau tuto. Voilà. Donc bye.